Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous. Comme vous voyez, je change de vaisseau puisque je ne trouve aucune quête ne nécessitant pas de vaisseau ou de VRS. Pardon, ne nécessitant pas de Xout, pardon, ou de VRS depuis près de quelques minutes. Hein, enfin, près de quelques minutes, comme vous pouvez le voir en haut, j'ai pas arrêté, ça doit faire à peu près 45 minutes à peu près maintenant, si ce n'est pas un peu plus. Donc voilà, bon. Tristesse. On va donc aller dans les tableaux de mission. Dans le tableau de mission, on va récupérer normalement une mission qui permettra de transporter 32 pièces, voilà, 36 pièces, pardon, de saloperie. Attendez. Ça, c'est quoi? C'est légal ou illégal? Ok, cool. On peut aller tenter ça aussi. Crac, on va faire les deux. On fait les deux. C'est parti, soyons fous. Soyons fous, chers amis. Transaction. Couper le générateur, il coûte pratiquement 1 million cette quête. Alors, je demande à aller voir. Ah, mais c'est pas un truc genre faut tout couper, puis après... Oh, si, ça doit être ça. Ça doit être ça. Couper le générateur de... emplacement. D'accord. Bon, on va aller voir quand même. On va aller voir quand même, sait-on jamais, ça peut être intéressant. Crac, ici. On va même aller plus précisément dessus. On va pas s'embêter comme ça. De toute façon, c'est dans le même système, c'est cool. Carte. J'espère que c'est pas trop loin, j'ai pas vu où est-ce que c'était. Ici. Elle est où? Oula! Oulala! Non! 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 Non, non, non! Non, non, non! Je n'irai pas si loin pour ça. Même pour 1 million de crédits, j'ai autre chose. Autre chose à faire. J'espère que j'ai pas perdu trop de réputation. La 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 la. Neutre. Vilain. Bon, c'est pas grave, on y va. Crac, on décolle. Là, pas de temps de transport, chers amis, si je puis dire. On va y aller à fond, vu que de toute façon, comme vous le savez, ce système-ci, en tout cas, est anarchique. Même si l'autre ne l'est pas. Donc là, on va y aller normalement, classiquement. De manière très très normale. Et sans chier dans la colle. Je pensais pas avoir un beluga d'aussi près, mais il m'a chauffé l'intérieur du vaisseau en quelques secondes, c'était rigolo. Vache, c'est balèze hein, quand même. Hein. C'est excessivement balèze. On y va. Crac, c'est là qu'on va. Et donc on va se faire 300 000 crédits, ce qui va me rembourser le déplacement de l'ASP qui m'a coûté 200 000 hein, quand même. C'est pas rien. On y va. Et normalement on devrait choper la relation amicale. Alors ce qu'il faut savoir, la relation cordiale, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mission qui dit si vous êtes cordial, vous pouvez aller voir l'ingénieur. Ah! Donc ça m'intéresse. J'espère qu'on va la trouver une fois qu'on aura. De toute façon, une fois qu'on aura fait la mission et que je serai cordial avec eux, on aura réputation de type cordial avec eux, de niveau cordial avec eux, je. Sois prêt les sessions. Je veux voir si c'est faisable. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer à ramasser de l'argent et de la réputation pour notre ingénieur, et nous verrons ce dont il a besoin pour ses différents compos. C'est pour les missiles, je me rappelle plus ce que je devais mettre en termes de missiles. On va mettre ça pour l'instant, j'irai voir pendant que je swap. Ok. Here we go! C'est bon. On y va. C'est pas très très loin. Ouais, attends, les... voilà. D'accord, apparemment c'est Thermal Cascade qui serait intéressant. Sans trop de contestation. Mm-hmm.
Excusez-moi, j'ai dû louper le truc. Oui, je suis désolé. Je suis en train de lire le truc. Ça a l'air assez intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment plusieurs moyens de faire les choses. Bon, je vais me concentrer un petit peu, excusez-moi. Là, c'était intéressant. Une discussion. C'est intéressant. Alors, allons-y. Avant d'aller trop loin, d'observer les choses de l'ingénieur, je préfère encore l'avoir débloqué. Tout bêtement. Allons-y. Mais bon. Ce qu'il faut que je vous rappelle aussi, c'est qu'il faudra que je fasse ça sur les deux missiles, les deux lance-missiles que j'ai. Ça, hein. Ah bah oui, ils sont pas là, c'est vrai, je suis con. Je suis complètement, complètement, complètement. Allons-y. Coucou. Je présume, coucou. Et nous sommes bons. C'est parti, mon zizi. On y va. Allez, boost! C'est bon. Ah, Rodrigue! Crac, et on arrive pile dans l'axe, hein, chers amis. Si c'est pas parfait, ça. Si ça, c'est pas parfait. Honnêtement, je sais pas ce qu'il vous faut. Crac. C'est du pilotage en règle. Ça me change, on sent que c'est du pif. Et 8, c'est droit devant. Parfait. Crac. Ah. Si je la livre plus vite, ça sera plus d'argent, c'est ça? Merde. Et je chie dans la colle pendant ce temps-là. Ok, on est bon. Service de spatioport. Dépêche, 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 dépêche. Pêche! Pêche! C'est bon. C'est où? Quoi? QA! Port QA! Me faites pas le coup de foi! Oh là là, oh c'est où ça? What? Je viens de m'enculer. Bon? Bah. Tibaïnia. Zebawi, Tiwawa. Je suis dans le caca. Ça me chatouille l'oreille. Bah, voilà, bon, on y va. Hop, on bourre. Moi, je ne rigole plus, madame. Boost dans le vaisseau. J'ai pas touché. J'ai pas touché. C'est la fête. Ok, non, je me casse. Nervir, voilà. Je vais nervir l'armée ailleurs. Blague-moi-y, 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 c'est bon, on y va. Bah écoutez, chers amis, moi je vais faire la petite ellipse habituelle. Hein. Donc je vous retrouve une fois que nous serons arrivés au point extrêmement éloigné qu'est la station machin. En tout cas, j'espère que... J'ai pas vu s'il y avait une rentrée d'argent supplémentaire. Récompense bonus 120 000. Ça vaut vraiment pas le coup. Allez, on booste. Crac. Et on y va. «
Voilà, chers amis, nous y sommes après 10 minutes de trajet. Nous y sommes enfin. On va booster un gros coup. On y va. Pourquoi FSD annulé? Non, c'est pas le FSD que je voulais lancer. Crac. On y va. On ne se plante pas cette fois-ci dans la station. Ce serait pas mal, Marcus. Ce serait vraiment pas mal. Pleine puissance en avant quand même. Olé. Crac. On est bon. Ça se passe très très bien. Crac. Voilà. Donc, comme je disais à Rodrigue, chers amis, il y a une mission qui se prend donc à Euribia, hein, de la Blue Mafia, qui dit invitation de l'ingénieur. Et pour ça, le niveau nécessaire est cordial. Sept. Richou. Voilà. C'est tout. Hop. Ah, j'ai oublié le train d'atterrissage. Je me dis aussi, je vais vite. Oh, je peux pas être plus posé. Vous n'avez pas le droit de me soumettre à une analyse rectale. Bah écoute, si. Mets les gants, un petit peu de crème sur le doigt, puis c'est bon. Enfin, de crème. De lubrifiant, Marcus. Qu'est-ce que je fais avec de la bouffe dans le sexe, moi? Enfin, dans le sexe, dans la catégorie sexuelle de mes blagues. C'est ça, c'était ça que je voulais dire, en fait. Alors, voyons voir. C'est pas suffisant! Merde! Merde! J'aurais juré que ça l'eût été. Alors, ma question c'est de savoir si je vais retrouver. Non, bah non, forcément non. Euribia, on y retourne. Euribia! Voilà. On y retourne. C'est la fête. Je fais tellement de. Heureusement, ça va me prendre qu'un saut normalement. Voilà. Ça va aller très très vite. Mais bon, je pensais que ce serait suffisant pour grimper un petit peu de level. Et apparemment, non. Je l'ai dans le baba. Ok. On est bon. Après, cette musique-là me fait penser à la musique, au thème de Leia dans Star Wars. Ah là là. Rip. Rip, rip, rip. C'est dommage quand même. Enfin bon, ça arrive à un moment ou à un autre. Je sais plus si elle est morte de quelque chose, Carrie Fisher. Je sais plus de quoi exactement en fait. D'accord, mais je sais plus de quoi. Attendez, je regarde, parce que ça m'intrigue. Pas de son, s'il te plaît. Je dis pas de son, s'il te plaît. Merci. Marcus, tu vas te cracher dans le soleil, effectivement. Ça pourrait être une connerie à ne pas faire. Voilà. On se pose deux secondes, je voudrais regarder quand même ce que c'était. Hémorragie cérébrale. D'accord, hémorragie cérébrale. Comme quoi, on est vraiment pas grand chose, chers amis. On est vraiment pas grand chose. On va aller ici. Crac. On va essayer de prendre une autre mission parce que là, faut vraiment qu'on grimpe en termes de réputation. Hein. Là, chers amis, on peut pas faire autrement.
Hop. On est vraiment pas grand chose. Ouais. Bah, elle aura marqué je ne sais pas combien de générations cette grande dame. C'est sa maman aussi qui est morte pas longtemps après. Il me semble. C'est quand même dommage, hein. C'était une très 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 grande dame. Incestueuse avec son frère, mais... Bon, de toute façon, pour ceux qui regardent cette série, qui n'ont jamais vu Star Wars, honnêtement, doit pas y en avoir des masses, hein. Mais bon. En tout cas, je vous invite, si vous les avez pas vus, à aller tous les voir. Ils sont d'un niveau assez inégal, tous, hein, mais l'histoire de Star Wars, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. On ne doit pas passer à côté. Ce sont de très très beaux films. Pour la blague, j'ai acheté un superbe jeu de société Star Wars à mon meilleur ami. J'espère qu'il ne regardera pas cette vidéo. Et vu que je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Attendez, celle-là mardi. Mercredi, jeudi. Vendredi, samedi. Elle sortira samedi, le jour de son. Enfin, vendredi c'était le jour de son anniversaire, mais du coup on fête son anniversaire samedi. Toute la journée, puis sûrement toute la nuit, puis sûrement tout le lendemain aussi. Donc bon, pour la blague. Donc il n'y aura pas de live le week-end prochain. De toute façon, je ne referai pas de live pour le moment, simplement parce qu'il me faudrait un deuxième écran. Et j'ai trouvé un écran, j'ai l'écran, mais il me faut un câble HDMI pour le brancher sur la carte graphique. Et comme ça, je pourrais voir votre chat en direct, chers amis. Ce sera beaucoup plus simple plutôt que d'avoir à me tourner là. Et vous verrez qu'on gagnera un temps et une interface, un dialogue beaucoup plus simple. Il faut juste un câble HDMI. Et vous savez que les câbles HDMI, ça coûte la peau du cul. Pour ce que c'est, hein, c'est qu'un câble. Hein. Non, c'est par là, oui. Hop, c'est bon. Ok. Et donc oui, Carrie Fisher aura ou a déjà, non, aura dans la 2.3 sa propre station à son nom. Mais bon, c'est dommage, c'est toute une... C'est un peu une page qui se tourne et comme je le dis souvent, on a des grands acteurs aujourd'hui qui ont fait des films mythiques. Mais voilà, par exemple, quand Bruce Willis ou Harrison Ford partiront, on aura perdu des piliers du cinéma d'action. Et ça fait mal quelque part. Hop, c'est bon. Rien que d'y penser à l'avance, ça fait presque mal. Alors j'ai l'impression que j'ai un... Voilà, c'est bon. Plateforme numéro 20, elle va être ici, voilà. Hop. On est bon. Voilà. Service de spatioport, on y va. Hop. Merci, c'est gentil. Alors, livrer 6 unités pour 80 000. Livrer 33 unités. Alors, là, comment on va faire? Bah, simplement, on va aller prendre les deux. Et on va aller sauter de lieu en lieu jusqu'à réussir, tout simplement. Jusqu'à atteindre notre objectif et obtenir notre réputation cordiale. Hop, commençons par aller ici. Je vais aller directement dedans, on va gagner du temps, comme ça j'aurai pas à y retourner. Ah la vache, 1500 SL encore! Oh là là, attendez, on en est où? On est à 29 minutes. C'est le cas, ok, c'est cool, c'est comme ça que je vais faire, chers amis. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser les amis pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu, on n'aura pas eu de bol cette mission. Quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve dans 2 jours pour la suite, et je vous fais une intro juste après, ici. Je skip jusqu'à l'arrivée sur place, et ensuite on verra, voilà. Salut les gens! Salut les gens, ça fait un peu ça plutôt, hein. Salut.